La maladie s'est immiscée dans la vie de Thomas il y a un peu plus de 20 ans. Alors collégien, il se souvient de cette voix bienveillante avec laquelle il échange. Je méditais dans les bus scolaires qui me ramenaient chez moi. Et un jour, j'ai posé la question de savoir qui était cette voix qui me parlait, qui me répondait comme ça. Et puis elle m'a répondu, je suis Dieu. Et puis je me suis dit, je ne fais pas que penser, je pense que je parle à Dieu, en fait. Pour moi, ce n'était pas la maladie. À ce moment-là, je parlais à Dieu. Je me sentais privilégié. Cette voix interdit à Thomas d'en parler à sa famille. Il s'isole, part étudier dans un lycée loin de chez ses parents. Après une fugue, il est orienté vers un psychiatre qui diagnostique une schizophrénie. C'est une maladie, je n'ai rien fait pour l'avoir. Mais rien que le fait de savoir que c'était une maladie, déjà, ça m'a beaucoup apporté. Prendre le traitement, la voix s'est tue, et j'avais plus qu'à, comment dire, réapprendre à vivre. Thomas se pense guéri. 10 ans de rémission sans voix ni médicaments. Il est chauffeur routier, passe tout son temps sur la route, et en 2012, il rechute. C'est apparu à la fois tout petit à petit, je sais pas, comme une fatigue, j'arrivais plus à dormir, du stress, ce qui sont des facteurs de rechute. Puis un jour, je sais pas comment le dire, j'ai presque entendu le cerveau faire un cling, c'est maintenant que t'en chies, et la voix est venue. Ce qu'elle me disait, je m'en souviens pas vraiment, j'ai pas envie de m'en souvenir, mais j'ai très vite compris que c'était ma maladie qui recommençait. En un an, je perds à peu près tout ce que j'avais construit jusqu'à maintenant, reconstruit. Et là, il a fallu que j'apprenne à tout le monde, à tous mes amis, ma famille, que j'étais malade et que ça recommençait. Thomas ne peut plus travailler. Il se confie d'abord à sa sœur aînée et plus tard à sa mère. Mais pourquoi ne s'était-il pas confié à moi? Pourquoi s'était-il confié à sa sœur? Tout ça, pour la maman que je pensais avoir été très attentive, ça a été très déstabilisant. Je ne connaissais personne dans mon entourage qui avait été touché par cette maladie. Donc, eh bien, je fonctionnais avec les images qu'on voit dans les médias. Hein, la dangerosité, les cris, enfin bon, les propos incohérents. Donc, voilà, comme ça ne correspondait pas du tout à ce que Thomas avait affiché, j'étais complètement perdue, voilà, hein, complètement perdue. Malgré les doutes, la famille fait bloc. Cette maladie n'est pas simplement une voix. C'est aussi de l'isolement social, peut-être un peu de dépression, des pensées négatives, tout ça. Des symptômes qu'il apprivoise grâce à des ateliers menés à l'hôpital, au-delà des seuls médicaments. Aujourd'hui, Thomas se sent mieux et espère de nouveau travailler. J'espère que peut-être qu'un jour, je pourrai me passer de traitement et recommencer une vie sans tout ça.